nouvelles depuis le bout de la rue. J'ai eu un petit peu de mal à m'échapper de la famille. Eh bien, t'as pas vraiment fait du bon travail, ta maman est là. Quoi ? Calme ! Je l'ai envoyée à Berbette chercher des vapuccinos. Mais ça n'existe pas, des vapuccinos. Je sais. Waouh, je suis impressionnée, tu deviens chaque jour de plus en plus comme moi. Ok, on y va. Pardon ! Gigi, mais tu vois, moi aussi, je suis en première ligne. Moi, je sais où est la veste et toi, non. Qu'est-ce que t'as dit? Que tu as la peste? Oh, bah, moi, c'est une veste que je veux. Et crois-moi, je l'aurai avant toi. Mais pourquoi t'as emmené ta grand-mère ici? Elle ne croit pas entrer avant les autres. Non, c'est pas ma grand-mère. Je l'ai trouvée dans le parc. Elle va faire barrage. Entièrement la boutique avant la vente flash parce que des tas de gens viennent en douce à l'avance et cachent des trucs. Et ce n'est pas du tout dans l'esprit des 10 minutes de folie. Ah, maintenant, c'est chacun pour soi. Oh, Harper ! Harper ! J'ai trouvé nos vapuccinos. Oh, c'est du lait chauffé à la vapeur avec de l'eau plate. Oh, elle est trop lourde, tu veux pas m'aider ? Bah t'as qu'à prendre la baguette de papa. Je sais plus où elle est. Alors soit je viens de la retrouver, soit je me suis cassé une fesse. Je suis pas médecin, mais je suis à peu près sûr qu'à l'intérieur des fesses, on n'a pas d'os. Non, 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 papa va m'arracher la tête. Je te jure, si j'avais pas des baskets neuves, j'aurais vraiment la trouille. Moi, à ta place, j'aurais la trouille tout court. Justine, tu m'aides à la relever, oui ou non? Bien sûr, elle en a tant fait pour moi. Je m'entraîne pour une nouvelle émission de télé. Danse avec ta sœur.